Ah ben c'est pas fini. Hein? Ah non, c'est pas les jus, non? C'est pas fini. C'est ma proie. Maman? Maman, pas trop peur. Messieurs, dames, bonsoir. Vous allez bien? T'as mis 7 ans aujourd'hui quand même? Au moins, parce que vous êtes couverts. T'as été faire un tour à la flèche quand même. Non? Ah bah si, à gauche, là, tout de suite. C'est marée haute en plus. Merci, avec grand plaisir. Allez, et bonne journée à vous aussi. Allez, oui. Ciao. Ouais. Oh, c'est Mano, hein. Bon. Je m'appelle David Schlinger. J'ai 46 ans. Pour en avoir avec les tombes, c'est faire un bon faire. Ouais. Ça fait 7 ans que je suis dans le coin. Bayonne. C'est un cadeau pour toi, tu vois, mais un petit comme il y a Echo ou quoi, tu vois, juste pour mettre les quelques appuyés dedans, je pense qu'ils en ont. Je suis né à Strasbourg. Ma mère était roumaine, allemande. Mon père israélien. Donc j'étais réfugié politique et je suis né en France. Voilà. En chien toxico, c'est fini. Je shootais, c'est fini. J'ai tout arrêté par contre. Si, la fume, l'alcool, un peu de cocaïne de temps en temps, c'est bon. Et voilà. Je suis descendu à Bayonne, il y a 7 ans. Et comme maintenant j'ai une fille là-bas qui a 2 ans, je reste dans le coin. Et je vais. Et tout ça, bientôt, c'est fini. Ouais, j'ai de la prison à faire. C'est vraiment heureux. Je ne vais pas y rentrer, mais je vais prendre un appartement. Pour moi, déjà, parce que je suis fatigué. Pour voir grandir ma fille et tout ça. Enfin, pour l'instant, non. Je suis trop alcoolique, j'ai déjà un travail à faire sur moi. Après, oui, sans problème. Dans quelques mois, pourquoi pas. Ah oui, j'ai un CAP de cuisine et tout. Crêpier, pizzaiolo. J'ai bossé jusqu'à il y a 10 ans. Rien. Calme. Bah, j'ai fait 4 ans de prison plein, je suis sorti en 2010, et ils m'ont laissé à la sauvette, donc je me suis démerdé tout seul au début, puis après c'est devenu une habitude. Quoi. Alors, au moment où tu prends le coche, et puis tu t'engouffres, et puis bah, pour sortir, je sais où. C'est bon. Non, on va pas casser les bières, Manu, merde. Ouais, je serai pas le premier. Bon, bah on va se promener. Allez. T'imagines?
imagine, demain, moi, tu me mets dans un appartement avec... dans la vie civique, comment on dit, civique. C'est pas évident. Même te retrouver dans un canapé devant une télé chez toi, ouais, j'appréhende. J'ai plus l'habitude. Mais après, c'est un bon délire quand même. Je pense. Vraiment, à toi, là, ils m'ont promis de t'affaire pour une blague. Ah, bah, c'est gratuit, mais bon, c'est une blague. Tu me coûtes bien, vous me coûtez bien. Ouais. Bon, c'est une blague, ok? Ouais. C'est gratuit, ça vaut pas d'argent derrière, rien. C'est pour rigoler. Ouais. Ça marche? Donc là. Donc c'est trois nains qui s'en montrent à la mine. Bonjour, vous allez bien? Eh, messieurs, dames, on mange à quelle heure ce soir? Dans une heure? Tout ça? Ah, dis-moi, s'il te plaît. Bonne soirée, bonne nuit. J'avais 3 minutes à perdre pour rigoler. Ils sont pas français. Oh, bah, bonne journée. Merci, merci. Je vous en prie. Dommage. On a vu une belle. Vous allez bien? Non. Eh oui, c'est bon. La nuit, c'est beau. Oui, super. Je suis gauche. Eh oui, bonne journée, madame. Merci. Je vous en prie. Et bonjour madame, vous allez bien? Ils sont là, ils sont tout petits. Alors, comme ils sont tout petits, ils prennent un raccourci pour partir à la mine. Et justement, sur le chemin de la mine, les grenades, ils s'arrêtent. Il y a un premier qui prend une pelle, le deuxième qui prend une pioche, le troisième qui prend quoi? Ah, je suis pas célèbre, frère, je suis pas célèbre, clairement pas. Jamais d'avis, je serai jamais président ni rien. Au contraire, pas de problème. Ouais, c'est vrai. J'ai vu le. Allez, au revoir. Ah oui. C'est bien. Je vais profiter le monde de ce qui se passe dans la rue. C'est pas si mal. Oui. Non, non. Impossible. Donc c'est trois nains qui sont montés à la mine. Non, stop. Comme ils sont nains, ils sont tout petits. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, si votre animal, il doit être tenu en laisse par rapport à l'autre chien. Je le mets dessus. Hein, s'il vous plaît. Dessus. Merci de votre compréhension. Normal. Et c'est pareil, tout ce qui est alcool, elle est perdue sur la non, place. Elle est vide. Je comprends qu'elle est vide. Vous demanderez aussi de la... Je la mets à problème. D'accord. Merci, c'est gentil à vous. Chien tenu en laisse. Obligatoire. Eh oui. Chien tenu en laisse. Il vous prend la tête. Il vous prend la tête. Mais oui. Oui, c'est ça, mais en plus, je la connais. Saint-Charles. Ouais. Oh, Manu, il y en a marre. Ah, moi je suis roumain, je m'en bats les couilles. Salut jeune homme, ça va? Comme moi ma fille quand je vais à Bayonne, bon j'ai mon sac à dos, mais
Il est hors de question qu'elle me voit faire la manche. C'est pas possible dans ma tête. Comme il y a des tatouages que j'ai, comme la croix du voyou, tu vois, ça fait 2 ans, bah, j'ai craché des cigares dessus pour plus qu'on la voit. Parce que j'ai pas envie de lui dire à papa, elle dit déjà papa, mais c'est quoi ça? J'ai pas envie de lui expliquer ce que c'est. Ouais. Bonjour. Viens, frère. Allez, frère, je peux faire un dessin. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, tout petit. Sur la main. Tout petit, un peu de tribal sur le visage. Non, pas sur le visage. Tout petit, frère, tout petit, promis, juré. C'est pas de la merde. Eh bien, enfin, promis, juré. L'autre fois, j'ai fait la rencontre. Promis, juré. J'avais oublié que vous m'avez fait ça. Promis, juré. Bouge pas. Bouge pas. Eh, Vicente. Tu fais un tribal. Ah ouais, tribal, hein. Le même que la dernière fois. Non, vas-y. Le même que... Bouge pas, Vicente. Hey. On est filmé, là j'ai... Non. Mais non, on n'est pas filmé. T'inquiète, ça marche. Ah. C'est pas trop... Hey. C'est tout. Moment. Arrête de bouger, Vicente. Nada. Les gens vont flipper. Non. Tu me fais confiance, tu l'as fait la dernière fois. Tu l'as fait trop mal. Vicente, c'est pas le fini de toi, non. Arrête, Manon. Vicente, Je reviens. Tu finiras comme ça. Hé, Vicente, à más tarde. Maison de vie, là, si tu veux y aller, le chien est dans une cage enfermée dehors, c'est pas possible. Hein. Enfin, c'est, comme c'est mon chien, donc je dors avec mon chien. Il y a une question que mon chien soit dans une cage. Moi, quand je suis bourré, on est en IPM, 20h, mes chiens ils font une sorte fourrière, 6 jours. Et là, d'ailleurs, j'en ai un qui est à peau là-bas, qui va être plus donné, hein, parce que j'ai pas l'argent pour sortir. Enfin, c'est des trucs. Hein. Et ça fait chier, par contre. Et là, je suis pas content. Depuis ce matin, les gars, entre toi, entre Vicente, entre Piotr, entre Siemi, c'est quoi, vous me gavez. Moi, j'ai pas encore mangé, aujourd'hui. Vicente, ils ont fait quoi, et tout ? Bah, il est au hôpital, mon frère. Bah, ils l'ont emmené, il était par terre. Sérieux ? Bah oui, frère. Oui, sérieux. Ah, tout le monde, c'est Natchav. Piotr, tout le monde, c'est Natchav. Hein. Ah ouais, dès qu'il y a la police, hein, tout le monde se barre. Hein. Bah, moi, j'y étais. Je parle de... Tout le monde, je parle de tout le monde. Vicente, oui. Vous foutez la merde, quoi. Comme toi. Hein? Comme toi. Bon, allez. Laisse-moi voir, il y a un poulet pour tout à l'heure. Tant mieux. C'est quoi le poulet? C'est bon. Ils m'ont cassé le cou toute la journée, j'ai une note, parce qu'ils en sont, là. J'ai même pas fait la manche, j'ai même pas pu rigoler avec les gens, d'ailleurs. Et ça m'énerve, j'aime pas. Enfin, ça m'énerve pas, mais j'aime pas. Awesome. Graham. Enchanté. Hermano. I'm from Liverpool. Good? Liverpool. 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 No, habla English. Ah. Habla español? Je comprends un peu français, parler. Très bien. I see you. Si, j'ai Bayona. I want to be humble. Humble. En français? Bon, humble. Il s'appelle Rombo. Humble. Je suis dans la merde. I want to say hi. Je suis dans la merde. Et au cas où, donc, je fais le ménage, je fais la vaisselle, et en plus, je fais à manger, et je ronfle pas et je suis pas chiant. Alors, si jamais, au cas où, si quelqu'un m'entend, hey, la star. La star, tu me connais même pas, c'est la star, quoi. Je suis pas une star, moi. Hey, tu vois, j'ai pas la prétention d'être une star. Hein. Je suis rien. C'est juste moi. Il a pas mal. C'est déjà dur à porter. Tiens, l'histoire, t'enregistres, là. Ouais. Et ben, l'histoire, je vais te raconter mon petit frère. Parce que ce matin, je pouvais pas vous réveiller. Je te le dis maintenant. Ouais. Mon petit frère. Il y a 2 ans. Tu vois, Insa qui est là. Ok. Insa qui est là. Il y a 2 ans, un matin, je suis à Bayonne. Je fais association. Ok.
téléphone sonne, c'est ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, qui a 40 ans. Okay. Elle me dit David, parce que mon prénom c'est David. Chez moi, c'est pas Mano, c'est David. Elle me dit, David, Sébastien, il a fait un AVC. Ok, bon. Comment il va? Elle me dit, il est vivant. Il est parti avec les pompiers, t'inquiète pas, il est 9h le matin. 9h. Elle me dit, t'inquiète pas. On te rappelle, ok, ça marche. 20 minutes après, la mère Aïncha, la mère Aïncha, Sarah, et Sarah, elle m'appelle, elle me dit, oh, elle me dit Mano. Elle me dit, Mano, je viens de faire une prise de sang et tout, je suis enceinte et tout, elle pète un plomb. Alors qu'une demi-heure avant, j'ai mon petit frère qui a fait un AVC, ok. Là, il est 9h30 le matin, 10h moins le quart, pas plus, ok. Bon, bref, j'attends les nouvelles, bon, Sarah, c'est bon. Elle est enceinte, bah, elle est enceinte, on garde, tu dis comme tu veux, on garde. Une chance, et maintenant elle a 2 ans, pas loin. Et à midi, on me dit, mon beau-père, enfin, le beau-père, mon frère, enfin, le maire, le père de la femme, mon petit frère, il m'appelle, il me dit, Mano, il me dit, David, si tu vois ton frère encore vivant, prends le train, je suis à 1000 km. Bon. Bah écoute-moi bien, je suis pas dit ce matin. Écoute-moi bien, j'ai pris le train, oui, avec Zaya. Et sans sac à dos, rien. Les mains dans les poches. J'ai pris le train. Je suis parti voir mon petit frère à l'hôpital. Ça a duré 8 jours de coma. Et j'ai passé 8 jours à l'hôpital, à côté de lui, dans la même chambre, en soins intensifs, toutes les machines et tout. Il ne respirait plus avec les machines. Tu vois. Et au bout de 8 jours, là, on l'a débranché. Ouais. Et bon, comme on dit chez moi, un qui part, un qui revient. C'est ça. Mmh. Bonjour. Pareil. Eh oui. Et c'est tout. Et ça garde-le. Ça, c'est une bonne leçon de vie. Non? Je crois que oui. Si tu pleures pas, c'est que tu es timide. Il n'y a pas de mal à pleurer. Au contraire, ça fait du bien. En plus, le matin, tu pisses moins. C'est lui que vous suivez ? Ah oui, c'est là-bas. Ah, oui. Ah, je les ai vus, c'est là-bas, à droite. Ah. Ah oui. Quand même, rire. Comment ? Oh, ils ont un but. Allez, la France. Sinon, ils gueulent. Ah ouais. Rugby. Rugby, rugby. Voilà, et... Et bah, c'est quand j'ai commencé à me défoncer. Donc, j'ai une hépatite C, j'ai un ulcère au foie, j'ai un hématome au cerveau, j'ai un traumatisme crânien. J'ai les lombaires, tout le côté gauche qui pourrit. Ouais. Les dents, bah, elles sont tombées une après l'autre. On m'en a pété quelques-unes aussi. Et... Mais bon, bientôt j'aurai des chicots tout neufs. Carrément. Ah bah tu fais avec. Tu fais avec. Quand tu peux soigner, tu soignes. Et sinon, bah, tu prends ton mal en patience et t'attends. Et c'est déjà pas mal. Après, heureux, bien sûr qu'on n'est jamais trop heureux. Enfin, ça dépend à quel niveau tu mets le mot heureux. Est-ce que tu parles d'argent, est-ce que tu parles de soi-même, est-ce que tu parles de projet ou... Enfin, c'est large.
Mais oui, bien sûr, je suis content. On a eu un putain de ticket pour vivre, déjà. Il y a pas mal. Et ça n'a pas pris, ça.